L'intelligence émotionnelle, voilà un sujet passionnant quand on aborde le monde de l'évolution personnelle. Je voudrais dans cette série de vidéos vous parler des quelques grands points clés qui, après plus de 35 ans de formation et d'accompagnement, me semblent tellement aidants pour mieux gérer, comprendre, sentir ces émotions, comment aussi apprendre à détecter tout ça pour pouvoir interagir avec ces émotions, finalement être en relation avec soi ou avec les autres d'une manière beaucoup plus positive et constructive, quelles que soient ces situations, et puis surtout d'être à la fois plus sensible, mais en même temps dans cette faculté d'accueillir et parfois même de se détacher un petit peu de ces émotions pour justement non seulement les vivre davantage, mais aussi les accepter et les exprimer. Et à travers tout ça, bien sûr, les exploiter pour grandir et surtout améliorer votre quotidien. Alors cette gestion intelligente des émotions, elle repose d'abord, on le va voir dans notre série, sur un certain nombre d'aspects clés. La première, c'est à quel point notre univers, on pourrait dire humain, repose sur l'ensemble de ce que sont, on va dire, nos importants, qui eux-mêmes se forgent autour de quatre grands piliers que je voudrais aborder avec vous avec plus de détails dans cette série, notamment les plans de besoins qu'on a. On a d'abord des besoins de sécurité intérieure et qui peuvent générer à la fois de la satisfaction ou de la frustration parfois, que ce soit au niveau matériel, financier, que ce soit au niveau de la santé, etc. On a évidemment des besoins d'ordre plus affectif qui nous renvoient à nos besoins d'importance, de relations, alors que parfois c'est nourri et pas nourri, et on va voir à quel point c'est éclairant de comprendre ce qui se joue dans les mécanismes justement liés à la relation, qui parfois est trop forte, parfois pas assez. Enfin, on va trouver tout ce qui a trait au besoin de comprendre, d'expliquer, se connaître, connaître les autres, connaître la vie, savoir les choses, donc c'est plus intellectuel, oui. Et là aussi on a tout un ensemble de petites choses qui peuvent être plus ou moins nourris ou pas dans la vie, qui vont être justement l'occasion de vivre des satisfactions ou des frustrations. Et puis on a aussi toute la dimension plus large encore, au-delà de la dimension de la pensée, c'est tout ce qui a trait justement à la dimension plus, on pourrait dire, spirituelle, c'est-à-dire au fond le qui je suis, le pourquoi je suis là, etc. Et on verra que cette dimension, elle ouvre évidemment le champ de sources de satisfaction ou de frustration plus ou moins importantes. Et puis je terminerai par un des derniers piliers qu'on abordera, c'est celui de la vision, c'est-à-dire de l'ambition que j'ai dans ce monde, que ce soit vis-à-vis de mon couple, de ma famille, de mes amis, au fond à quoi je rêve dans la vie, quelles contributions j'ai envie d'apporter, quelles sont mes ambitions justement. Et là encore, on peut trouver tout un ensemble de réactions émotionnelles qui nous indiquent, là encore, pourquoi et comment justement piloter avec ces dimensions pour pouvoir grandir à l'égard de ces ambitions. Alors, ça c'est vraiment une structure importante à découvrir parce que le sous-jacent de ces dimensions, et c'est ce que je vous propose dans cette série, eh bien c'est d'aller identifier à la fois les alertes rouges, ce que je vais appeler les alertes rouges, c'est toutes les formes de frustration qui existent autour de, là encore on verra quatre dimensions particulières, tout ce qui a trait au danger, à la peur, que justement nos émotions nous indiquent, hein, parce qu'il y a éventuellement un danger potentiel, réel ou fantasmé. Ça peut être aussi toutes les sources de colère, d'irritation, de sentiments d'injustice qui nous viennent nous indiquer en fait qu'il y a des règles du jeu probablement qui sont pas bonnes pour nous, qui ne sont pas respectées. On verra aussi tout ce qui a trait à la tristesse, à la dévalorisation, et qui peut nous entraîner peu à peu dans de la déprime, ou la dévalorisation, la perte au fond de confiance en soi. Et puis enfin, tout ce qui peut générer aussi des attitudes de rejet, de dégoût même parfois, parce qu'il y a ce mélange de colère, de tristesse, et qu'on ne veut plus voir en fait, et donc du coup on aura tendance à rejeter vivement. Donc ça c'est pour les alertes rouges, et au-delà de ça, c'est intéressant d'aller découvrir l'opposé. On verra que derrière la peur, en fait, on a des besoins de sécurité, qui va évidemment se définir par le fait d'avoir un résultat qui nous convient, une sécurité à l'égard des choses qui sont enfin arrivées, donc on peut se poser, on a enfin réussi, c'est top. On verra le contraire de la colère qui nous renvoie plus à la joie, aller à la joie de comportements adaptés justement à ce qui nous convient, et donc du coup on est là dans des règles du jeu qui nous conviennent, c'est pour ça qu'on a cette joie, parce que tout d'un coup les choses se passent exactement comme on aurait souhaité. Enfin, on va qu'on verra qu'à l'opposé de la tristesse, on va trouver le lien, l'amour, la connexion, la reconnaissance, ce qui fait ces larmes hein, qui peuvent venir soit de la séparation, de la tristesse, soit de la reconnexion, la ralliance avec soi-même ou avec d'autres personnes ou avec une situation particulière. Et puis enfin, le contraire du rejet, le contraire de ce sentiment un peu d'écœurement, qui est le désir en fait, et qui va être, on va le voir, la source essentielle pour pouvoir justement grandir, quelles que soient les situations. On parlera de désir, d'amour, de joie et enfin de paix. Donc là, c'est intéressant de découvrir un peu comment ces cartographies fonctionnent parce que du coup, on va pouvoir agir justement dans la prise en compte de ces indicateurs. Donc je vais vous proposer de réfléchir sur vos alertes, notamment quand ça ne se passe pas bien, comment vous le savez, qu'est-ce qui se passe en vous, quelles sont les réactions émotionnelles qui apparaissent régulièrement. Et à partir de là, de pouvoir identifier non seulement l'alerte rouge, mais aussi dans quel créneau celle-ci se place, et à partir de ça, de pouvoir agir d'une manière plus opérationnelle. Et c'est pour ça que je terminerai sur ces processus, on pourrait dire, de gestion opérationnelle de ces situations émotionnelles, c'est-à-dire c'est la capacité à poser les bonnes questions, à coacher, s'auto-coacher ou coacher une personne qui, face à ces émotions, aurait besoin d'acquérir justement des compétences pour se développer. Voilà en quelques grandes lignes l'objet de cette série, un domaine passionnant quand on aborde l'évolution personnelle et que je vous propose de suivre au fil justement des vidéos qui, sur le sujet, vont vous être livrées. Merci encore de votre présence et au grand plaisir d'interagir autour de ces questions.